Tu veux savoir qui je suis, ce que je vois, ce que je vis, ce que je veux, ce que je fuis. Tu veux partager ma vue sur cette étendue désertique qu'on m'a assigné pour voir. Ouais, je suis un brin défaitiste, mais c'est mon destin qui le veut. C'est Alexandre, on m'appelle aussi Malaise sur le milieu de la scène. J'ai 24 ans, ça fait 6 ans que je fais de la musique. Les messages qui viennent du cœur, les égotripes de casse-couilles, les réflexions qui font peur, je me suis construit l'âme en soignant mon vocabulaire pour pouvoir exprimer ce que je vis. Je viens de Colmar. Je suis originaire de... Enfin, j'ai des origines portugaises. J'ai vraiment connu la haine quand j'ai rencontré la rue et ses intentions malsaines qui m'ont fait perdre la vue d'un monde drôle. J'ai arrêté l'école, j'avais 18-19 ans. Après quelques tentatives de CAP assez désastreuses, électricien, ramoneur, enfin, assez diversifié, on va dire. Et puis, après, moi, l'école, ça a jamais trop été mon truc. Ce qui me plaisait pas, c'était le fait d'être mené à la baguette constamment, de devoir toujours suivre des règles qui, à cet âge-là, elles nous paraissent insensées, je veux dire, inutiles. Donc pourquoi les suivre? Surtout que j'étais dans un milieu où on nous entraînait à ne pas les suivre. Donc bon, je les suivais pas, comme tout le monde. Et du coup, j'ai quitté l'école. Enfin, c'est plutôt elle qui m'a quitté, en fait. Après, un déménagement précipité, en fait, sur Mulhouse. J'ai connu les quartiers de Colmar, ensuite les petits villages, et d'un coup, le quartier de Mulhouse. Donc ça fait des gros changements et je suis arrivé sans travail, sans rien. Puis un jour j'allais chez un ami à moi, il m'a parlé de cet atelier musique, des ateliers cuisine, enfin toutes sortes d'ateliers que Sémaphore propose en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas, d'abord l'atelier cuisine. La cuisine, pourquoi? Ça paraît bizarre quand on est rappeur, mais bon, moi j'aime bien cuisiner chez moi, j'ai de la famille, on est une famille nombreuse, donc forcément. En cuisine, je me suis occupé de pas mal d'enfants, donc forcément faire à manger, ça y participe. On aime faire plaisir aux femmes aussi, pas qu'à la famille. Mais bon, atelier de cuisine et puis derrière, atelier musique forcément. Créer des contacts, rencontrer des gens, apprendre des choses. Des choses qui nous tiennent à cœur, emmène nos très graves de côté afin de calmer nos ardeurs. Des clips qui vont écouter, on te peaufine la phrase être lourd pour éviter d'être boycotté. Il faut comprendre les bonnes valeurs. Ok, tu veux que je te parle de mon quartier, la cité? J'ai pas trop de choses à raconter, les presses se font rares ou plutôt part trop vite. Pourquoi subir toutes ces choses? Nos destins ne sont pas si différents. Donc, grandir okay. C'était pas juste wesh wesh Benz PSG. Vive le quartier. Là, ils nous ont emmenés dans un univers et on parle de l'amitié, on parle de la mer. Toi, tu nous as déjà fait ça ici. On se livre. Là, tu dis ok. Donc, le texte aussi doit être... Le message doit être fort. Je suis un révolté de nature, ma vie c'est comme ces lignes. Beaucoup de fautes, très peu de ratures, mon passé je l'assume. Il fait qu'à chaque moment je sais où est le soleil, où est la brume. Si je dois m'arrêter ou tracer, j'ai pas le temps de rêvasser. Dans le monde où je vis, on rêve assez. Maman n'a plus le temps de repasser, car le frigo ne se remplit pas seul. Besoin d'épinards dans mon cœur, trouver le pinacle de mon cœur. Respect dans les yeux de ma sœur et d'espoir dans ceux de ma mère. Besoin d'être entouré de mes frères, de principes, de valeurs, de la fierté de mon père. Et pourquoi pas d'une amie? Dans tout mon entourage, on s'entend bien, on est soudés. On est soudés. Mais ça veut dire une galère pour un, une galère pour tous. Voilà. Donc on avance ensemble dans la musique. C'est mon frère qui m'a beaucoup aidé, mon grand frère. Voilà, on construit des projets. On construit pas mal de projets, surtout dans la musique en fait. Surtout dans la musique, moi j'ai déjà un premier projet qui est déjà parfaitement imaginé. Maintenant, je commence à le concrétiser beaucoup là. Je commence à avoir du matériel chez moi pour enregistrer chez moi. Ensuite, il y a la MAO du film à disposition. Donc, c'est tout aubaine pour les gens qui aiment la musique, pour ceux qui ont des choses à dire. Enfin des préjugés, je m'entends pas, je rate slam, je chantonne. Et quand les coups du racisme m'afflamment, je fais du sale qui bastonne. Yeah! Bon, pas, hein. Avant d'écrire, on va dire, ce que du rap, j'écrivais des vers, donc forcément de la poésie. Et moi, la plus belle des poésies que j'ai trouvées, c'est dans le rap. C'est là que j'ai trouvé tout ce qui a nourri mon esprit, ce qui a fait qu'aujourd'hui je pense comme je pense. Tu veux savoir qui je suis, ce que je vois, ce que je vis, ce que je veux, ce que je fuis, tu veux partager. Dans 10 ans, je me vois où? Je me vois plus à Mulhouse.
Déjà, pour commencer, je me vois plus à Mulhouse. Qui sait si mon destin c'est ça, je me vois sur scène. Si ça ne l'est pas, je me vois maçon ou certainement électricien. Ouais, je pense comme tous ceux qui ont raté l'école. Où est-ce que tu en es dans ton projet professionnel actuellement? Je suis assez encombré par le permis. Donc, c'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire que j'ai la chance qu'on me le finance, donc je m'y mets à fond parce que si je le loupe, c'est embêtant. Quoi. Ce sera embêtant pour moi. D'accord. Ben, les éducateurs, c'est ma force. Ça me permet, moi, d'être orienté, de savoir où je vais, d'avoir une petite ligne conductrice dans ma vie de tous les jours, trouver du travail, des formations, être tenu au courant des offres qui peuvent s'offrir à moi. Enfin, il y a plein d'avantages à être suivi, c'est ma force et j'en profite à fond. Pas de bras, dimanche, je crève. Alors j'ai endossé mon sac. Je me suis construit mes rêves. Qui t'a encaissé des claques? Du pire, j'ai pris de la crème. C'est pourquoi mes écrits marquent. Si je dois partir sur scène, je claque, faut que je me batte. On m'a dit marche ou crève. Alors j'ai endossé mon sac. Je me suis construit mes rêves. Qui t'a encaissé des claques? Du pire, j'ai pris de la crème. C'est pourquoi mes écrits marquent. Si je dois partir sur scène, je claque, faut que je me batte. On m'a dit marche ou crève. Alors j'ai endossé mon sac. Je me suis construit mes rêves. Qui t'a encaissé des claques? Du pire, j'ai pris de la crème. C'est pourquoi mes écrits marquent. Si je dois partir sur scène, je veux que la faucheuse me batte. On m'a dit marche ou crève. Alors j'ai endossé mon sac. Je me suis construit mes rêves. Qui t'a encaissé des claques? Du pire, j'ai pris de la crème. C'est pourquoi mes écrits marquent. Si je dois partir sur scène, je veux que la faucheuse me batte. On m'a dit marche ou crève.